N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info Assist d'Abidjan pour vous présenter une nouvelle astuce. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo rapide, voilà, assez rapide, pour vous montrer comment désactiver Google Meet de votre boîte de réception de Gmail. Voilà, comme on le sait tous déjà, lorsque Gmail fait sortir une nouvelle fonctionnalité, on vous l'impose de force, voilà. Et c'est pareil que lorsque ils ont fait sortir Google Meet, qui s'est intégré automatiquement dans la boîte de réception de Gmail, comme on peut le voir ici. Je vais encadrer pour vous montrer. Voilà, comme on peut le voir ici, Google Meet qui est là. Voilà, c'est pour la vidéo de Gmail en fait. Voilà, causer en vidéo avec Gmail, ben actuellement je vois pas trop l'utilité de ça actuellement. Voilà, je vois pas trop l'utilité de ça. Donc pour ceux qui sont comme moi, qui veulent avoir une boîte de réception Gmail fluide, car on reçoit assez de messages ici et c'est pas trop assez cool de voir le Meet qu'on n'utilise pas, je vais vous montrer comment vous pouvez désactiver cette option pour l'enlever de votre Gmail. C'est tout simple, vous allez partir dans les paramètres de Gmail tout en haut, vous allez appuyer sur les trois points qui sont là. J'espère que tout le monde voit les trois traits. Je vais les trois traits ici. Voilà, lorsqu'on appuie, on descend et on appuie sur paramètres en bas. Paramètres, voilà. Lorsqu'on appuie sur paramètres, on appuie sur son compte. Voilà, après avoir appuyé sur son compte, on descend, on regarde juste en bas. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est l'onglet Meet. Comme on le voit, c'est marqué afficher l'onglet Meet pour les appels vidéo. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement décocher cette case qui est cochée. Voilà. Que vous ayez un iPhone ou un Android, voilà, c'est le même procédé. Moi, j'utilise un Android actuellement, donc c'est le même procédé. Voilà. Lorsqu'on appuie dessus, on voit que notre boîte de réception devient plus normale. On n'a plus l'icône de Google Meet encore. Et notre boîte de réception est plus agréable à voir. Voilà. Pour ceux qui sont comme moi, qui étaient vraiment saoulés d'avoir ce Google Meet, voilà, cette vidéo elle est faite pour vous. Vous pouvez la désactiver pour avoir votre boîte de réception habituelle. Voilà. C'était un petit tuto pour vous montrer comment vous débarrasser de ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, aimez et vous partagez à vos amis qui sont dans le même cas que vous. Portez-vous bien.